Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur le circuit de Sardaigne en groupe 4, temps nuageux, ça va partir dans peu de temps, 16 participants, et voilà c'est parti. Moi sur le devant de la scène, GT Speed Tool en tête suivi de Mika, ZFX Arbreak, Academy, Catman, Eric, Flo, CPA. Voyons au premier virage. Ça se déroule très bien, nickel. Academy déjà deuxième. Avec la Lexus. Oh attention Pierrot. Non, ça va, il a réussi à se remettre. C'est fixe avec la 86. Mika, suivi de Catman, Eric, Gwen, Mehdi, Flo, Flo avec Altenza, suivi de Steph, Harry Potter Fou, ensuite nous avons le Locle en 12e position. Fred, ensuite Gaston, ZFX, Xilivo, dernier pour le moment. On retourne sur le devant de la scène. GT a passé tout le monde là. Il est premier. Et il commence déjà à prendre de l'avance, GT. Deuxième Pyro. Attention. Pour le moment ça passe. ZFX, troisième. Il essaie de se rapprocher. Catman avec la 86 aussi. Nous avons Mehdi aussi. Gwen. Sa petite course tranquille. Ah, belle bataille là entre Steph, Thierry, Flo. Steph a pris l'Audi, il est un peu sorti. Du coup, Thierry a pris l'avantage. Et là, c'est ZFX qui sort avec la Lexus, qui passe devant Flo. Avec la Mazda, Fred avec la RCZ, elle va bien cette voiture. Et Gaston, 13e pour le moment. Mika, qui a eu GT Speed il n'y a pas longtemps. Eric a fait une erreur. Et nous avons Lee, dernier avec l'Audi. Avec la consommation, l'Audi, je sais pas, c'est pas le top. GT, toujours en tête avec la Lexus. Pierrot, toujours deuxième. Tiens bon pour le moment. Avec la Vantage. Ah, c'est Gwen qui a fait une belle opération là, avec Camilio en plus. Il est troisième, Gwen. Mehdi 4e, Catman 5e s'est fait doubler. Attention, Thierry arrive derrière avec la Hyundai. Après, on a un petit trou. ZFX, les deux ZFX. C'était 8. Oh là là, il y a Hardrick qui est parti en vrille et qui se retrouve dernier. Mika 11e, 12e Steph, Claudie, Harry Potter fou, coude à coude avec Flo. Et voilà, Harry Potter est parti dans le décor. Flo du coup a gagné une place.
Lee 15e. Avant-dernier Zefix. IGT qui améliore encore. Mehdi qui est passé deuxième, mais suivi de près par Gwen. Ah, et voilà Catman, juste derrière. Un beau trio là. Quatrième tour sur 11. Je vous laisse apprécier. Pour le moment ça passe, nickel. Accélération. Ligne droite. Au bout de la ligne droite, ce que ça va donner. Attention. Ah, pour le moment, ça se déroule sans accro, nickel. Alors, cinquième ZFX, un ZFX. Avec Alexius également, pareil que GT. Ensuite, nous avons Thierry, 6e. Piero qui a beaucoup perdu, 7e. Eric, 8e. Qui a du mal. Fred, 9e. Ah, Fred au coude à coude avec. Avec Mika. Mika qui est passé. Oh, Fred qui part et qui laisse passer. Gaston, du coup. Lee, oh là là. Lee, Steph, les deux Audi dans le virage sans se toucher, nickel. Très beau. Flo. Nous voilà à bord de Flo. Accélération de Flo. Derrière les deux Audi. Oh, attention, il y en a un qui est. Oh là là, beau. Est-ce que Flo va pouvoir passer Steph? Très belle opération là pour le moment. Est-ce qu'il va le pousser à la faute? Ah oui, ça c'est beau. Ah, fallait pas y louper ça. Ah, il a passé les deux concurrents là. Nickel, bien joué Flo. Ah oui, il a dépassé les deux Audi. Harry, 15e, ZFX, 16e, elle a beaucoup de retard apparemment. Et on va se retrouver sur GT, 6e tour, aucun problème sur les pneus, course dure. Il a encore de quoi pouvoir venir. Et alors là, nous voilà encore avec Mehdi, Gwen et Catman. Gwen juste derrière Mehdi, Catman un peu distancé, et c'est ZFX 5e qui a rejoint tout le monde. Ils sont 4 bien groupés. Là je suis à bord de ZFX. Xidibou qui améliore de 52 millièmes en tout, une 26. Que va-t-il se passer là? Oh, Gwenat a un peu glissé. Lequel des 4 va céder le premier? Pour le moment, personne n'a l'intention de céder. On va laisser ces messieurs s'entraîner.
s'entretuer, j'allais dire, continuer leur bataille. Thierry tout seul, et Eric. Ah, c'est déjà plus fluide à l'arrière, hein. Il y a plus de distance entre les joueurs. Pierrot, suivi de Fred et Mika. Ah, Fred, beau dépassement avec l'RCZ là. Faut en profiter, c'est pas souvent. Mika, 11e. Lee, 12e. Les Audi ont du mal, hein, sur ce circuit apparemment. Commençant plus à bouffer un peu de pneus là. On va arriver dans le 8e tour. Flo 15e, Zefix 16e. Et on retourne sur GT. Intenable GT. Intenable GT. Bon, Mehdi toujours en course. Ah, Zefix est passé 3e, Xilivu 4-4. Ah, Catman a glissé un petit peu. Gwen 5. Ensuite nous avons Thierry qui essaie de revenir mais qui a beaucoup de mal avec la Hyundai. Eric, Gaston, Mika, Fred, Lee. Steph au coude à coude avec Flo encore. Il l'a repassé apparemment. Zefix, Sardrek 15e. Et Toul 16e. Enfin Pyro. Académie, Mehdi, toujours 2e. Au 9e tour. Donc, Catman juste derrière. Alors, est-ce que Catman va passer à l'offensive dans le virage? Oh, attention! Attention, attention! Catman a passé Mehdi. Très proprement. Ça se suit, hein, c'est prêt, c'est proche, c'est très beau à voir ça. Mehdi va essayer de prendre l'intérieur. Et y arriver. Oh là là. Oh là, il y a eu un truc là. Ah là, je sais pas trop ce qu'il y a eu. Gwen. Alors justement, je suis resté sur l'action parce que vous donniez une idée de ce qui s'est passé exactement. Parce que je savais que c'était passé quelque chose, mais comme ça au moins, en visualisant, vous allez me dire ce que vous voyez. Bon, apparemment, Mehdi a été expulsé par les commissaires. Comme par le fait que tout le monde a gagné une place.
Alors, que s'est-il passé exactement? Je ne vais pas donner mon opinion. J'attends de voir ce que vous allez en penser. GT dans son dernier tour. Tranquille. On va suivre GT. Pour le moment, on ne suit rien du tout, les arbres. Oh là là, il est très loin, GT. Une belle éolienne. Ah, c'était bloqué, je crois. Voilà, GT qui arrive. Passe la ligne. Pénalité de 5 dixièmes en plus. Ah, GT. Ouais, bravo, GT. Belle victoire. ZFX Xilibou, deuxième. Mais très loin de GT. Après, ça va arriver en groupe. ZFX deuxième. Gwen troisième. Qui fait l'imbécile. Quatrième, Eric. Cinquième, Thierry. Gaston, sixième. Septième, Mika. Alors, vous me donnerez votre explication là, suite à ce Catman, huitième, du coup, neuvième, Lee. Puis dixième, Fred, qui n'arrivera pas, je pense. Allez, merci à tous.